Ah oui, Valérie, je suis ici au festival Propulse. Hein, comme son nom l'indique, eh bien, il cherche à propulser de nouveaux talents. Alors, le festival se passe en deux temps, puisqu'il y a toute une partie qui est véritablement réservée aux professionnels du secteur. Alors là, on parle d'art de la scène, d'art de la rue et même de cirque. Donc, on fait vraiment hommage ici à toute forme d'art. Et puis, il y a une autre partie qui est réservée réellement au public. Cette fois, pendant trois soirées, eh bien, le public aura accès à de tout nouveaux groupes, de nouveaux groupes, mais qui parfois eh bien, sont constitués d'anciens artistes. Alors ce soir, on a la grande chance d'être avec le groupe Atome qui se produit pour la toute première fois ensemble. Alors David et Rémi, merci d'être avec nous ce soir. Alors une grande première ce soir, pourquoi ? Écoute, une grande première parce que c'est notre premier concert, c'est la première fois qu'on va se produire sur une scène et dans le magnifique cadre de la Rotonde. On est très très contents, très excités. Quel enjeu ce soir alors ? Écoute, c'est pas vraiment un enjeu, je crois que c'est surtout un peu un aboutissement parce qu'on était en studio pendant un an et demi et là c'est la première fois qu'on va pouvoir se confronter à un public et vraiment voir ce qui se passe, tu vois. Donc c'est plus une curiosité, une excitation. Qu'est-ce que ça représente un festival qui cherche à propulser de nouveaux talents ? Est-ce que c'est vraiment, voilà, il y a de l'enjeu, mais il y a surtout un peu d'excitation aussi ? Mais tout à fait, c'est les deux. Il y a l'enjeu parce que c'est la possibilité de justement, comme il disait, confronter un peu ce sur quoi on travaille depuis un an et demi, de rencontrer des gens, un public, des professionnels. Et puis aussi, pour nous, c'est l'aboutissement. La scène, c'est vraiment une étape importante dans le développement du groupe. C'est autant le studio, mais aussi la scène. Donc là, c'est une première. C'est vraiment le début. Décollage. Voilà, le début d'une nouvelle aventure, on va dire. Voilà. Il y a la critique aussi qui va suivre, parce que le public du Botanique est quand même un public assez averti. Ben oui, tout à fait. Et puis voilà, ça c'est le jeu. Hein. Il y a des gens qui aimeront, des gens qui n'aimeront pas. Et puis c'est le jeu. C'est... De toute façon, nous, c'est vraiment le plaisir de partager ça. C'est notre bébé, quoi. Donc. Juste un petit mot, justement, sur votre groupe. Donc, vous avez tous les deux une expérience musicale. Oui, en effet. Moi, j'ai joué dans les Vismets pendant presque 10 ans, je crois. Et David jouait dans Applause. Il nous a d'ailleurs rejoint pendant quelques temps pour faire quelques lives. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On faisait les trajets ensemble. Et depuis, on s'est toujours dit, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Un jour, je l'ai appelé. Et puis, en 2016, on a commencé. Et maintenant, on est ici. Et c'est vraiment pour nous très émouvant, très touchant d'être ici, surtout que le festival Propulse, c'est un festival dans lequel on a découvert beaucoup d'artistes, on a beaucoup d'amis aussi qui y ont joué et qui vont y jouer ce soir. Donc très excités, comme je le disais. Voilà, on le voit, hein, ils sont très excités de jouer ce soir. Mais bon, ils ne joueront pas tout de suite. Alors rendez-vous à 23h20 pour les voir. Et puis le festival commence avec un tout autre groupe dès 20h. Il s'agit de June Moon. Mais on se donne rendez-vous évidemment jusque vendredi soir avec trois soirées de Propulse pour... Impulse, pardon, pour... Propulse, désolé. On s'en mêle. De Propulse donc pour propulser de jeunes talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles.